donne la chance à la relève et nous présente le défilé des finissants de trois écoles, dont le Collège La Salle, le Collège Marie-Victorin, et on va aller rencontrer le professeur de l'Académie des arts et du design. Alors, on est avec Sonia Deroy, professeure et directrice artistique à l'Académie des arts et du design. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors, dites-nous, c'est comment être professeure à l'Académie du design? Vous avez quoi comme élève? Des élèves très créatifs, super inspirés et je te dirais qu'ils sont très jolis, sont avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous étiez un peu nerveuse de voir vos créations prendre vie? Oui, bien sûr, on était nerveuse et stressée aussi. Puis, ça fait 10 ans que tu es dans le métier. Le design au Québec, est-ce que ça évolue beaucoup? Bien, je crois que oui. Je pense qu'il y a de plus en plus de design. Avec le Festival de mode et design, en plus, ça donne une espèce de popularité au design. Les gens osent maintenant un petit peu plus. Puis je trouve que les étudiants sont de plus en plus inspirés et motivés, donc je trouve ça le fun. Qu'est-ce que tu as comme conseil pour ceux qui veulent devenir designers? Bien, je leur conseille de suivre leur voie puis de ne pas croire les gens qui leur disent qu'il n'y a pas de job dans ce domaine-là, parce que comme vous voyez aujourd'hui, il y a plein de gens qui travaillent dans l'industrie. Donc, moi, je pense à aller au bout de vos rêves puis de laisser aller votre créativité, en fait. OK. Alors, on aimerait savoir, c'est quoi vos projets pour le futur? Commencer une ligne québécoise ici à Montréal et j'espère un jour comme être connue globalement. Revenir au Festival de design et peut-être avoir encore vos créations prendre vie. Oui, c'est sûr, ce serait formidable. C'est fun de showcaser nos designs ici à Montréal. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Merci.